Bonjour, on va attendre que tout le monde arrive. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui. Alors je ne sais pas qui est animateur de la réunion. Est-ce que c'est commencé? Est-ce qu'on attend? Je ne sais pas. Alors, normalement, en animateur, il y a Nicolas. Moi? Oui. Ah bah j'étais pas au courant. Enfin, co-animateur, Nicolas, il y a Maël Ah oui, Morvan, mais ah, qui n'est comme pas là, intervenant, effectivement, mais et moi. Après, effectivement, on était plusieurs intervenants. tous les trois. Bon, bah, on va commencer. Je ne pensais Ouais. pas qu'on animerait, je pensais qu'on interviendrait. J'ai animé une réunion tout à l'heure. Ce que je peux proposer, déjà, Yves, bah, si tu veux bien te présenter. En 1 minute à peu près pour savoir qui tu es, je ferai de même ensuite. Et puis, bah, on va échanger l'un et l'autre pour tenter de répondre à cette question, comment devenir un référent, un influenceur. Exactement. Alors après, donc je m'appelle Yves Maguin, je suis sur Angers, je suis podcasteur et formateur multimédia. Et donc moi, ma thématique principale, c'est tout ce qui est quand numérique rime avec écologique. Donc effectivement, parler du numérique responsable, mais également tout ce qui est vertueux au niveau des différentes actions qui peuvent être faites au niveau de l'environnement, que ce soit dans différents domaines, hein, très bien, comme l'alimentation, le textile, mais l'humain également. Et donc voilà. Donc moi, alors, je me considère moi pas personnellement comme un influenceur, mais en tout cas, moi j'ai une thématique assez spécifique et je communique sur cette thématique-là. Bien, enchanté. Moi, je m'appelle Nicolas Tway. Je suis le cofondateur d'Inclunea. Inclunea, c'est un support de communication pour personnes en situation de handicap, pour des personnes qui ne savent pas communiquer ou qui sont empêchées de communiquer tout simplement de par leur handicap. Moi non plus, je ne suis pas un influenceur dans le sens où on l'entend, à savoir, je n'ai pas des millions de followers. Et quand je poste quelque chose, ça n'impacte pas la société en général. Parce qu'effectivement, peut-être, Yves, on peut échanger sur cette première question, moi, qui peut mettre des freins. C'est quoi finalement un influenceur? Ça peut faire peur de se dire, bah, mais moi, j'ai que 1 000 personnes qui me suivent. Bah, 1 000, déjà, c'est énorme. Bah, écoute, voilà, si ça t'inspire, je te laisse rebondir là-dessus. De plus en plus, hein, de toute façon, aujourd'hui, on parle même de micro-influence, de toute façon. Moi, je ne parlerai pas d'influence, mais plutôt de communauté. C'est-à-dire que finalement, ce qui est important et intéressant, c'est d'avoir une communauté avec qui on parle, avec qui on partage les mêmes valeurs,
Et ensuite, voilà, tout simplement, c'est pouvoir communiquer les uns avec les autres sur des thématiques bien spécifiques. Donc, ouais, comme je disais, j'ai le numérique responsable et la partie écologique, hein, et l'idée, c'est surtout, quand on est dans des différentes communautés, c'est d'échanger sur, bah, comme on est en train de faire aujourd'hui depuis ce matin, faire des partages d'expériences, des retours d'expériences, partager des petits trucs, astuces, conseils, enfin tous ces trucs-là. Et je pense que tout ça participe à l'influence. Alors moi, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, la notion de micro-influenceur est très intéressante parce qu'elle est vraie finalement. Moi, j'ai un background de communication et marketing, donc mon utilisation, si je prends la mienne, par mon spectre de LinkedIn notamment, a été au tout début de me connecter à tous les responsables de communication, tous les chargés de communication, tous ceux qui tournaient autour de mon secteur d'activité et avec qui je pouvais faire du business. Déjà, voilà, de manière simple, hein, je filtre avec LinkedIn, je regarde tous ceux qui peuvent m'intéresser dans ma zone de chalandise, hein, ça ne sert à rien d'aller à Marseille si on ne peut pas travailler à Marseille. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire d'un point de vue professionnel. On peut faire de même aussi d'un point de vue emploi, si on veut travailler dans une société. Se connecter à leur page, aux RH, aux responsables, etc. Ça permet aussi de se faire une petite communauté. Et puis, au fur et à mesure, la communauté, elle se construit comme on se fait des amis ou comme on se fait un réseau professionnel classique, hein. Il y a les clients, bien entendu. Il y a les futurs clients, ceux qu'on aimerait avoir. Et puis, des fois, il y a les collègues des clients. On peut étendre, voilà, on arrive petit à petit à une sorte de communauté cohérente et pertinente par rapport au sujet que l'on pense être légitime pour communiquer. Donc ça, c'est la première base à faire pour pas être trop démoralisé au début, enfin pour ma part, quand on commence à faire des posts. Parce que quand on n'a que 7 personnes sur LinkedIn au début et qu'on fait un post, à moins d'avoir du bol, effectivement, l'interaction va être très très faible. Et puis moi, en fait, après, j'ai commencé il y a 1 an et demi. Avant, j'avais une utilisation LinkedIn, je ne sais pas si ça se dit, un peu classique. Je likais, j'applaudissais quand quelqu'un avait un nouveau poste, je félicitais. J'étais plutôt, voilà, observateur. Et puis, je mettais des likes. De bienséance, hein, pour tiens, c'est un client, il poste un truc, je n'ai pas trouvé, je like. On l'a tous fait, ne mentez pas. Et puis j'ai commencé à m'y mettre sérieusement il y a 1 an et demi à peu près. Mon premier poste que j'ai fait, j'ai dû mettre à peu près 4 heures à l'écrire sur LinkedIn à l'époque. On pouvait mettre que 1300 caractères. Et je croyais en l'écrivant que j'allais changer le monde. En fait, non. Mais ça m'a permis de tester les choses. Et je me suis donné une rigueur. Je m'étais dit, je vais faire un post par semaine sur des sujets qui m'intéressent. Donc, il y avait beaucoup de sujets autour de la lecture, du numérique, des personnes inspirantes, parce que voilà, j'étais un peu en recherche aussi de quête de sens, on va dire. Et petit à petit, ça a pris, en fait. C'est-à-dire, au début, j'avais 8 likes, par exemple, en ayant bien entendu demandé à ma copine de liker mon poste et mes plus anciens collègues, parce qu'il faut faire ça aussi un petit peu au début. Et puis, petit à petit, j'ai nourri l'algorithme, parce que LinkedIn a vu que j'étais actif et que les gens interagissaient. Donc, il s'est dit, tiens, lui, entre guillemets, il est intéressant. Donc, dans ma communauté, j'étais de plus en plus présent dans le feed des gens. C'est-à-dire, quand ils allaient sur LinkedIn, ils avaient de fortes chances de voir un de mes posts, en tout cas. Donc, c'est ça qui est important. Premier, pour ma part, je te laisse la parole après, Yves, si tu veux rebondir, mais c'est parler de ce qui vous anime le plus avec passion, j'ai envie de dire. Et être régulier.
Effectivement, alors il y a Maëlle qui est arrivée, qui est coanime avec nous. Bonjour Maëlle. Alors, on n'entend pas. Voilà, ouais, Bonjour tout le monde. Alors s'il Maëlle, te on va te plaît. laisser te présenter si tu veux bien. Maëlle, moi Maëlle Morvan, moi je suis la directrice du développement des entreprises de la Chambre de commerce de la Mayenne. Et c'est vrai que si je suis là, c'est aussi pour parler du rôle un peu d'influenceur que les uns et les autres on peut avoir sur des outils tels que LinkedIn notamment. Voilà. Donc enchantée d'être parmi vous et puis ravie de l'échange à venir. Bon, super, merci. D'ailleurs, on pourrait peut-être voir au niveau de l'écosystème, justement, CCI. Donc, on en parlait tout à l'heure sur la keynote, un petit peu aussi. Chaque salarié est un peu ambassadeur aussi et sert à l'influence que peut avoir la CCI sur les réseaux. Comment c'est géré, en fait, là, au niveau de la Mayenne? Alors, c'est géré, on va dire, d'une façon, avec un management assez ouvert, hein, puisque moi, je suis la manager de l'équipe. Alors, je peux surtout parler de l'aspect communication économique. C'est vrai qu'après, on a à la CCI, on a à la fois le côté économique et le côté formation. J'en parlerai un petit peu moins parce que je suis moins aguerrie sur ce sujet-là. Mais sur l'économie, moi, je conseille à chacun de mes collaborateurs de créer un compte. Donc, on a un compte général, hein, CCI Mayenne, qui met plus ou moins d'informations. Et après, nous, en fonction des événements dans lesquels on va, les uns et les autres, moi, vraiment, j'ai incité à tout le monde à créer son compte. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment un conseil, là aussi, pour que les uns et les autres puissent être bien identifiés dans cet écosystème de l'accompagnement des entreprises. Et les uns et les autres posent plus tôt. Alors, il y a deux types de messages. C'est où on participe à un événement. Et on le relaye en étant plutôt en live, et plutôt la notion du save the date, où quelque part on sait qu'on a un événement à venir, et ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il rentre dans les agendas des uns et des autres. Donc, on peut avoir à la fois du support déjà établi, charté CCI, on va dire, avec une invitation ou CCI ou d'un partenaire, hein, puisqu'on partage aussi des événements de nos partenaires publics ou privés. Et après, ça peut être aucune charte graphique obligatoire sur les informations lorsqu'on est présent à un événement. Ce qui est important à chaque fois, ce que l'on dit, c'est toujours de relayer bien sûr le @CCI Mayenne pour toujours faire le lien avec le site de la CCI. Quelques mots-clés toujours impératifs qui sont entreprise, innovation, numérique, RSE, accompagnement. Voilà, c'est un peu nos mots références pour les hashtags, plus ceux qui sont liés à la thématique de l'événement. Si on est sur un événement RSE, on va plus insister sur s'il est environnemental, s'il est sociétal ou autre. S'il est lié à du numérique, eh ben, Amandine, par exemple, va vraiment noter si c'est une formation liée à LinkedIn, si c'est une formation plus Insta, si c'est quelque chose de général sur des principes de base liés à l'environnement. Mais aucune charte, aucun message préétabli. C'est vraiment plus le collaborateur qui s'inspire et qui propose ses postes. À côté de ça, nous, on a au moins 2 fois par an et nos prochaines séances arrivent animées par Amandine. Amandine fait des formations LinkedIn pour les collaborateurs et pour les élus. Parce que c'est aussi important que nos élus, puisque la CCI, c'est vrai qu'il y a l'instance des collaborateurs, mais on est aussi géré par une instance de chefs d'entreprise qui sont parfois moins aguerris à ces réseaux sociaux. Donc là, on les forme 1 à 2 fois par an pour au moins qu'ils aient les principes de base et qu'ils aient quelques modèles, justement, comment faire un post qui ne soit pas trop long, qui ait bien les hashtags nécessaires, qui ait toujours le lien vers la CCI pour que les uns et les autres puissent relayer, puisqu'en direct, on reçoit au moins en priorité les messages @CCI Mayenne. Voilà, c'est un peu le message qui est passé pour vraiment créer du lien. Et comme le disait Nicolas tout à l'heure, la régularité. La régularité, la régularité. Pour un commerce local, on dira l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Pour tout ce qui est vraiment communication sur les réseaux, c'est de la fréquence en ayant toujours les mêmes indicateurs de suivi avec le @CCI Mayenne pour nous et ces 2, 3 hashtags récurrents pour qu'au moins les algorithmes nous identifient bien dans ce repère-là et que les gens qui nous suivent avec ces repères puissent également avoir l'information au bon moment. Voilà. Et moi, aujourd'hui, sur mon LinkedIn, j'ai à peu près, j'ai dépassé le 10 000.
Je vais être à 10 300 ou 10 500 personnes qui me suivent, mais mon profil LinkedIn, il me suit depuis toutes mes expériences professionnelles. Donc, j'ai aussi eu une expérience à l'étranger, j'étais à Rennes auparavant. Et l'idée, c'est vraiment de créer une communauté, non pas physique, parce qu'elle est là, oui, moi, mais j'étais 8 ans aux Émirats. J'ai des gens du Golfe qui me suivent encore, mais ce qui les intéresse dans mes posts, c'est la thématique, c'est-à-dire le développement économique, les aides aux entreprises, les bons principes, les tips intéressants à donner. Et après, suivre forcément ce que l'on fait quand on devient une communauté. Les gens aiment aussi un petit peu savoir là où on est, ce à quoi on participe, etc., etc. Voilà. Mais avec toujours, je dis, régularité et je pense, oui, de la passion. Ne pas le faire vraiment comme purement administrativement, avec un format à chaque fois trop établi. Moi, je pense qu'il faut quand même, il faut de la base, mais il faut aussi laisser part à une certaine créativité personnelle, à Effectivement, mon avis. merci Maëlle. Les différentes façons d'utiliser ce réseau social, et c'est vrai qu'il y a parfois une complexité parce que c'est un canal personnel que l'on peut utiliser dans un cadre professionnel ou pour soutenir le développement d'une entreprise. Donc, libre à chacun des salariés de s'impliquer ou non dans cette stratégie. Là-dessus, on peut imposer aucun collaborateur de transporter, de partager un message. Mais cela dit, c'est vrai que c'est intéressant dans une entreprise d'avoir une sorte de cohérence dans les profils des salariés. Pourquoi pas la même bannière, le lien, le bon logo, parce que des fois, on remplit mal le profil. J'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait qu'il travaillait à Laval, mais Laval au Québec, alors qu'il est à Laval en Mayenne. Bon, des petites erreurs comme ça à éviter, c'est des bonnes pratiques. Et puis effectivement, on peut rentrer dans une stratégie. Je vous disais tout à l'heure, je demandais à ma compagne ou des copains de liker mes premiers postes. Et ben, pour une entreprise, c'est pareil, hein. Quand un community manager, un chargé de com ou autre arrive et commence à mettre des postes sur ses réseaux sociaux, qu'ils soient likés par tous les collaborateurs, c'est plutôt chouette parce que chacun a un réseau. Donc ça fait caisse de résonance, hein, forcément. Et on peut avoir du coup une stratégie d'influence, puisque le message est propagé dans un cercle beaucoup plus grand. Et ça, c'est effectivement très intéressant à mettre en place. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste le bon vouloir, on va dire, de chacun des salariés. Et ça, bon, on ne peut pas juger. Alors, il y avait autre chose dont je voulais parler, mais peut-être Yves, tu voulais compléter le propos? Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est de voir un peu cette stratégie qui est mise en place, hein, effectivement, par la CCI de Mayenne. Je trouve que c'est plutôt intéressant de dire, ben voilà, il y a certaines bases à avoir, comme donc les hashtags et citer notamment la page de la CCI. Mais après, il faut vraiment laisser libre cours à chacun, effectivement, de faire ce qu'il a envie. Et bah, s'il n'a pas envie, on ne va pas le forcer non plus, parce que c'est un risque à ce que ça soit mal fait en plus. Donc, c'est bien quand on est dans cette logique-là de développement d'influence, notamment au sein d'une entreprise avec plein de collaborateurs, c'est bien de faire des petites formations comme elles sont faites. Là, c'est super bien. En plus, voilà, il y a aussi des On aurait élus. une question, juste excuse-moi Mais de te couper, mais je vas-y. vais te laisser continuer. Mais Valérie Gendry avait une question juste après, je te laisse finir. D'accord, donc j'avais quasiment fini. C'est vrai qu'effectivement, c'est toujours intéressant de former ses collaborateurs aussi à cette dynamique d'influence, parce que c'est pour le bien de tout le monde au final. C'est vraiment, voilà, on en parlait tout à l'heure, enfin sur les keynotes, c'est pour donner effectivement une bonne image également, de la notoriété, de la visibilité. Donc finalement, tout le monde est gagnant à ce qu'on fasse les choses correctement. Tout simplement. Valérie, on vous écoute. Oui, je voulais savoir si on pouvait vous couper et poser des questions justement pendant Ah oui, Ouais, c'est surtout, bon parce surtout pas que hésiter. Il y a le j'étais chat pas en là au tout plus. début. Il y a le chat, vous pouvez poser des questions. Ok, ça Mais non, marche. non, en levant la main, c'est très bien, on est là Ouais. pour discuter. Parce que moi, j'interviens, c'est plutôt en tant que solo-entrepreneur, en fait. Et c'est vrai que ça m'intéresse quand vous parlez de communauté LinkedIn, donc j'en ai une au niveau Facebook, on a la possibilité de créer des groupes privés. Donc là, ça permet de, voilà, de créer vraiment une communauté. Sur LinkedIn, comment vous pouvez.
Quel conseil vous pouvez nous apporter par rapport à ça? Parce que la difficulté, c'est effectivement que les personnes qui nous suivent déjà commentent. Je pense que l'algorithme aime bien ça. Ça doit être comme Facebook, j'imagine. Comment inciter les personnes qui nous suivent sur LinkedIn? Et j'avais une autre question également. Quand vous parlez du hashtag, c'est conseillé de mettre l'hashtag plus notre marque derrière ou notre nom et prénom si c'est elle-même notre propre marque. Alors, sur l'aspect technique du hashtag, c'est en fait dans LinkedIn, on peut choisir de suivre trois hashtags, et, notamment quand on a une page, et qui vont s'afficher sur notre page. C'est de la veille, en fait. Si vous mettez, comme me D'accord. disait tout à l'heure, hashtag RSE, vous allez voir tous les posts qui sont tagués Oui, hashtag ah ouais, RSE. ok, ça marche. Donc, ça fait une sorte de veille. C'est pas obligatoire. Quand vous publiez quelque chose, ce n'est pas non plus obligé de vous taguer vous-même puisque ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous dites, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais voilà, très contente aujourd'hui d'être à @forum social selling Ouais, ok, ça avec marche. @Maël, etc., etc. Bon, sans en taguer 300 à chaque fois parce que c'est un peu forceur. On n'aime pas trop des fois être tout le temps tagué, mais. Voilà, de dire très heureuse d'avoir pu participer à cette réunion avec un tel, un tel et un tel. J'ai appris plein de trucs, c'était chouette. C'est un peu ça au début. Et, pour interpeller votre communauté. Rien ne vous empêche aussi. Oui, je vous écoute. Ouais, parce que ça me vient justement quand vous parlez de ça, sur Facebook, on a la possibilité de paramétrer en fait nos clients cibles. Là, sur Oui. LinkedIn, il n'y a pas cette possibilité. Non, parce qu'on est sur un réseau plutôt professionnel, en mode one-to-one. On n'est pas là pour faire. C'est un réseau pour vendre, mais aussi pour se vendre soi-même en tant que futur collaborateur. Parce que moi, Donc. j'y suis depuis 18 mois et effectivement, moi, je vends des prestations, mais je suis plus dans l'humain, je suis coach de vie et consultante intuitive. Donc, c'est vrai que c'est dit, voilà, moi, je ne vends pas du physique. Et ce que je recherche, c'est vraiment l'authentique et le côté humain aussi dans les échanges. Ça, c'est difficile à mettre en place, en fait. Il n'y a pas de recette magique, mais ce que disait Maëlle tout à l'heure, c'était intéressant. Moi, j'ai remarqué dans les posts qui fonctionnent bien, et pourtant, je ne suis pas dans un égo trip, c'est si je mets une photo de moi avec un sourire, Ça marche. ça marche. Je peux dire n'importe quoi. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le forum. J'ai fait une photo de moi, j'ai mis un texte. Je pense que personne n'a lu le texte, hein. Ils ont liké. Et il n'y a pas de recette en fait. Moi j'ai une amie qui était coach sur Facebook, elle mettait des citations régulièrement. Une citation sur un fond uni, texte noir, fond jaune. Voilà, des trucs inspirants. Un like, deux likes, puis 10, puis 30, puis 40. Maëlle, vas-y, je t'en prie. Après, Valérie, ce qu'on peut aussi à un moment créer, une fois qu'on a créé une communauté suffisante, c'est créer un groupe. C'est-à-dire que tu peux créer un groupe où, D'accord. nous, par exemple, on a décidé sur un sujet qui s'appelle Mayenne durable. Donc, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par le thème de l'environnement. Et là, on en a, d'un moment, on a 113 membres. Mais sur ce petit groupe LinkedIn, je ne poste que des informations liées à leur thématique. Donc, Oui. déjà, ils sont eux. Alors là, tu verras, par exemple, que le taux de retour, par exemple, en like, il est beaucoup plus important puisque la cible et l'article concerné dans ce groupe concernent forcément et intéressent les gens. Ouais, c'est ça Il y que je a... recherche, Toi, tu peux effectivement. avoir deux D'accord. types de communautés. Tu peux avoir la communauté globale, c'est-à-dire que tu as ton volume, là, les 10 000 dont je te parlais, par exemple, chez moi, qui est dans la globalité des gens que j'ai pu croiser. Mais tu peux aussi te faire des sous-groupes. OK, ça Qu'on marche. appelle, alors, c'est pas des... ils s'appellent groupes, hein, ils s'appellent des groupes que tu crées sur une thématique. Tu peux, toi, et ça, c'est aussi intéressant pour que tu... Parce que pour parfois créer sa propre communauté, il faut aussi rentrer dans d'autres communautés. Donc, c'est en fonction, par exemple, de tes deux, trois mots clés de référence. Par exemple, tu vois, je regardais, moi je suis bretonne, hein, d'origine, mais il y a un groupe qui s'appelle Bretagne Breton, qui fait 5 700 membres. J'ai décidé de m'y abonner et comme ça, petit à petit, les gens, puisque tu vas toi aussi liker sur ce groupe qui est un groupe restreint sur une thématique donnée, va à un moment se dire, ah, bah, tiens, je vais me connecter avec Valérie plus facilement parce que tu crées un lien plus, là c'est une communauté beaucoup plus proche. Donc, en fait, sur LinkedIn, l'intérêt, c'est vraiment que tu as de la communauté qui peut être à la fois élargie, c'est-à-dire un grand cercle, mais tu peux aussi, ou toi, t'abonner à des groupes, ou même, à un moment donné, en créer un toi-même.
D'accord, ok, c'est ça que je ne Ça, savais c'était pas. un Je petit suis point que abonnée je à voulais Fourpreneur. rajouter. Ouais, ok. J'allais compléter, enfin, j'allais dire à peu près la même chose, effectivement, que par rapport à Mail. On peut créer des groupes assez facilement, en fait, hein, sur LinkedIn. Moi, pour le coup, j'ai créé le groupe numérique responsable, où effectivement, il y a les personnes qui sont désireuses d'avoir de l'information sur le numérique responsable peuvent venir sur le groupe, adhérer et puis aussi partager, communiquer. Après, c'est comme tout groupe, il faut l'animer. Moi, je suis tout seul à animer ce groupe-là, donc ce n'est pas toujours évident parce que, bah, il faut réussir à trouver régulièrement l'information fraîche. Et là où il faut réussir à faire à ce que cette communauté fonctionne, c'est quand il y a d'autres personnes qui commencent à commenter et enfin, pardon, à poster. Et là, ça devient intéressant parce que il y a vraiment des interactions qui se font. Et puis c'est bien parce que ça permet vraiment d'être dans sa thématique, d'être en veille aussi sur sa thématique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super bien. Et juste pour rebondir sur ce que disait aussi après Nicolas, sur la photo de lui, si je fais un parallèle avec YouTube, par exemple, les taux de clics sont plus importants sur les vidéos dont la vignette montre quelqu'un qui sourit avec les dents que autre chose. Donc c'est important, on est des êtres humains, on a besoin de l'humain et en fait voir un visage humain finalement bah, incite implicitement et naturellement et même inconsciemment à cliquer et à aller voir surtout si on estime que cette personne a l'air sympathique On peut et un revenir du sourire. coup sur les outils que LinkedIn nous offre. Effectivement, il y a le profil classique que vous connaissez. Vous, en tant qu'entreprise, même si vous êtes peut-être auto-entrepreneur ou je ne sais pas quel est le statut libéral ou autre, enfin, si vous êtes seul dans cette entreprise, vous pouvez créer une page qui parle de votre cabinet. Donc, vous créez une page et vous pouvez inviter des gens de votre communauté à aimer cette page. Donc, ça vous donne aussi une caisse de résonance différente. Vous pouvez donc créer le groupe, comme Maël l'a très bien dit. Puis des fois, vous pouvez créer des événements, tout simplement, qui peuvent, ou là, vous pouvez inviter encore votre communauté. Ça peut être des trucs tout bêtes. Je vous invite à fêter mes 1 an, ou je ne sais pas. Enfin, des fois, il faut être un peu malin sur. C'est pas forcément une réunion ou quelque chose. Ça peut être. C'est une manière d'entrer en interaction avec sa communauté. Mais la clé du succès, c'est pour moi, on l'a dit hein, tout à l'heure, la régularité, la pertinence du propos. Faut que vous soyez légitime quelque part pour parler de ça. Et pas hésiter des fois, le mot est grand, mais à se mettre en scène. Par Alors exemple, justement, sur des photos, hein. ouais. Et que pensez-vous des vidéos? Parce que je sais que je suivais Isabelle Cognoux, je pense que vous connaissez, là, qui est de Nantes, là, et elle précise qu'aujourd'hui, tout ce qui est vidéo n'est pas très. Après un peu de recul sur LinkedIn, quel est votre avis par rapport à ça? De mon point de vue, la simple photo faite en selfie avec mon téléphone, un peu souvent à l'arrache, une seule photo est souvent bien plus percutante que autre chose, en Ok, fait. ça marche. Une photo et du texte même simple, hein, ça suffit largement. Moi, je fais régulièrement des posts avec simplement du texte, voire même du texte sans citer personne et juste avec une photo. Et il y a quand même de l'engagement en fait derrière. Donc, j'ai l'impression, alors je ne suis pas au fait des nouveautés hein, de LinkedIn, de l'algorithme, ça, je ne suis pas forcément très, très au fait de tout ça, mais c'est effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait de moins en moins de vidéos qui apparaissaient sur mon flux et que tout ce qui était textuel et tout ce qui était donc photo simple revenait un peu plus en force. Donc voilà, après, c'est des tendances, hein, il faut essayer de suivre un peu tout ça, tout ce qui va être tendance. Donc faut tester. Alors moi j'ai fait des tests aussi sur plusieurs photos parce que l'être humain est très curieux. Donc quand il écrit plus 4 et qu'on ne voit pas les photos, on a envie de voir les photos. Alors du coup, quand j'ai téléchargé sur mon profil, je mettais la photo entre guillemets la plus intéressante en premier, donc je l'appelais 01, puis après 02, voilà. Et sur le feed, quand on met trois photos, c'est intéressant. Souvent en paysage, la première, elle est en très grande, et ensuite il y a deux petites. On peut faire jusqu'à 4. Si on en met plus de 4, il y a le plus qui apparaît et
on peut susciter l'intérêt. Donc, ça, on ne parle pas de contenu pertinent, on parle plus de travailler sur la curiosité des gens. Un autre format qui marche bien aussi, c'est le carrousel. Donc, ça, c'est du PDF que vous exportez, vous faites des formats carrés. Et première page, par exemple, ça peut dire comment devenir influenceur, je vous explique tout. Petit 1, petit 2. Et les gens, ils vont regarder, il faut une belle infographie. Et bon, il ne faut pas faire que ça tout le temps, mais voilà, il y a des formats qui fonctionnent bien, effectivement. Ça peut être voilà, régularité et des formats dits percutants. Je crois que alterner les formats, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Il ne faut pas que ça devienne routinier, en fait. Il faut vraiment susciter la vie de votre profil, en fait. Tout à fait. Ça, c'est très important de le préciser. Hein. Parce qu'on peut vite se lasser, finalement, de voir toujours la même chose. Donc, si l'idée, c'est vraiment d'essayer d'innover en mettant des formats différents. Donc, le carrousel, la photo, la vidéo, que du texte, des citations. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se faire. Tant qu'on est en cohérence avec soi et nos valeurs et ce qu'on veut dire, c'est très bien. Si je veux revenir aussi sur l'histoire de la page entreprise quand on est solopreneur, ce qui est mon cas également. Moi, j'ai créé ma page de ma structure. Je vais donner un nom commercial. L'avantage de faire ça, c'est qu'en plus de ça, ça rajoute graphiquement un petit logo sur son profil, ce qui donne plus envie de cliquer aussi. Et ensuite, on peut communiquer effectivement sur cette page, comme si on communiquerait sur une page d'entreprise ou en tout cas d'institution plus importante. Et après, son travail à soi, c'est de repartager finalement avec son profil personnel les informations qu'on met sur cette page. Par contre, moi, j'encourage plutôt d'avoir un nom différent, même si son nom d'entreprise individuelle, c'est son nom propre. Là, si je vais, Valérie, sur ton profil, c'est vrai que ce qui est marquant, c'est le côté experte en rayonnement professionnel. Et peut-être que plutôt d'avoir une page qui s'appelle Valérie Gendry, peut-être justement mettre... un rayonnement professionnel sur le nom de la page et puis après expliquer ce que c'est exactement pour justement rayonner encore une fois sur la quête de sens, le bien-être, tous ces trucs-là. Donc, ça peut être intéressant de fonctionner comme ça, en tout cas, pour gagner justement en influence dans son domaine. Et puis sur les photos, il ne faut pas hésiter des fois à se mettre en scène. Moi, je l'ai fait hein, des fois avec un petit trépied, j'ai mis en retardateur. Et j'étais vite me mettre devant l'ordinateur en faisant semblant de travailler. Et genre, on peut mettre un titre en mode « Vous aussi, vous avez du mal des fois à avancer, je ne sais pas. » Et puis, moi, dans la vie, je suis gna gna gna, etc. D'interpeller comme ça les gens. Bon, après, il faut pas... faut rester, sincère dans ce qu'on fait. Il ne faut pas inventer un rôle, il faut être vous-même. Mais... moi, je le fais comme ça, je le fais spontanément. Quand je me prends photo truquée, entre guillemets, c'est qu'à un moment, j'ai vraiment été en train de réfléchir et je me suis dit, tiens, il faut que je partage ce truc-là parce que j'ai envie d'avoir des retours, etc. Ça peut être des réunions avec des collaborateurs, des fois. Ça peut être derrière l'enseigne, je ne sais pas si vous ouvrez un cabinet, par exemple, en ville, etc. Vous avez un bureau, vous prenez en photo et vous montrez derrière et tout, je fais... trop content après un an de travail, ça se concrétise et c'est des victoires en fait, des petites victoires et dans ce monde un peu fou, ça fait du bien et on like en fait hein, tout simplement, parce qu'on est content pour vous. Maëlle le disait tout à l'heure, elle a encore des likes de son réseau etc. qui date de 10 ans et parce que ouais, on suit aussi les anciens camarades de classe, les anciens collègues, puis 3-4 ans après tu dis, oh, tiens il fait ça, c'est trop cool, hop je like. Et c'est un peu tout ça, en fait, aussi, LinkedIn, c'est cette influence-là. Ce matin, on parlait de différents cercles. Il y a le premier cercle, c'est la famille, les conjoints, les enfants. Des fois, on a maman qui fait un commentaire sur le poste, un peu gênant. Il y a le deuxième cercle, qui sont les copains des copains ou les collègues, etc.
Et puis le troisième cercle, celui qui vous allez toucher après, celui que grâce au premier ou au deuxième, vous allez atteindre, c'est vos cibles, les gens qui ne vous connaissent pas, les gens qui sont intéressés par votre contenu. Et donc ça, ça fait, bah, vous voyez, comme si on jetait un caillou dans l'eau, hein, ça fait des ronds. Et les réseaux sociaux, c'est ça. Mais ça se fait pas à pas, en étant régulier, en étant pertinent, en étant original dans les formats que l'on peut proposer, en étant sincère. Et à un moment, ça ne va pas venir en une semaine, hein. Mais d'ici 6 mois, en un an, vous pouvez noter, hein, tous les mois, ce que je conseille souvent, de faire du reporting. Vous notez tous les mois le nombre d'abonnés que vous avez. Et au bout de 3-4 mois, vous allez dire, tiens, c'est marrant, je gagne 100, 100, enfin pas abonnés, mais 100 relations par mois. Ah, j'en ai gagné que 20 ce mois-ci, tiens, ah oui, j'ai fait moins de posts. Ça peut être un moyen de mesurer votre influence, si on parle d'influence, voilà. Mais on a d'autres... Tu voulais dire quelque chose, je crois. Oui, je voulais juste rajouter pour Valérie, c'est vrai que je regardais aussi ton profil, hein, bien sûr, c'est quand même plus intéressant de parler avec des exemples un peu concrets. Et c'est vrai que toi, tu écris, il y a certains posts qui sont très longs, mais il n'y a aucun hashtag. C'est-à-dire que si, quelque part, tu ne crées pas des liens qui sont liés à une communauté et une thématique, hein, notamment toi, le coach, la personnalisation de l'individu. Et alors, j'ai remarqué aussi que tu mettais des hashtags sans espace. C'est-à-dire que tu mets, par exemple, hashtag bien-être, hashtag ma vie, par exemple. Mais dis-toi que tant que tu ne le vois pas apparaître en bleu dans ton texte, c'est qu'il n'est pas un hashtag. Il n'est pas pris en compte. Hein. Il n'est pas pris en compte. Sache que sur LinkedIn, tu peux modifier tes posts. Donc là, par exemple, avec ce qu'on te dit là aujourd'hui, tu peux, par exemple, retourner dans les posts que l'on t'a dit pour ajouter des choses. Tu cliques à côté de ton profil, tu as 3 petits points et tu fais « modifier le post ». Comme ça, tu vois, ça t'évite de recommencer les articles que tu as faits, mais tu peux les remettre à jour pour leur permettre d'être identifiés et identifiables par quelqu'un. Ça, c'est vraiment aussi un point important. Vous n'avez, sur LinkedIn, le gros atout, par exemple, par rapport à Twitter où c'est plus compliqué, sur LinkedIn, vous pouvez modifier un post. Ou si finalement, après une première réaction ou un premier échange avec quelqu'un sur un post, tu te dis « ah ben tiens, il m'a parlé de ça », tu rajoutes un lien. N'hésite pas aussi à rajouter des liens qui ouvrent à des références de livres. Toi, par exemple, je vois que tu mets des citations. Mettre quand même des choses qui feront référence à une communauté pour toujours créer ta communauté et, la rendre plus importante. Mais tu vois, c'est vrai que tu écris des très longs textes, mais à aucun moment, tu ne fais aucune référence. Donc, si tu ne mets pas de référence, il faut que les gens puissent te trouver. OK. Ouais, parce que moi, je les prépare sur Buffer au niveau du… D'accord, oui. Alors, tu peux les faire sur Buffer, après tu fais un copier-coller, tu les mets dans ton LinkedIn et tu rajoutes juste dans ton LinkedIn, tu modifies ton post en rajoutant juste les 2-3 choses qui te manquent. Mais l'avantage de Buffer, c'est qu'on peut mettre l'horaire aussi. Que là, sur LinkedIn, il n'y a pas possibilité on ne peut pas programmer effectivement un post. Et sur Buffer, il y a des choses qui sont un peu pénibles parce qu'on peut. Enfin, oui, sur les hashtags, ça coince quelquefois. Mais tu peux les rajouter après. C'est-à-dire que ça c'est un peu, je ne savais pas. Tu peux le modifier après. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que y a souvent des problèmes de tag, hein, sur les programmations des posts. C'est pas le meilleur, j'avoue. Merci pour l'info, pour la modification. Déjà, ça va être intéressant. Ça permet de. Voilà. Donc, comment devenir un référent, un influenceur, un praticien reconnu dans votre domaine des réseaux sociaux? Comment animer son écosystème, sa communauté? C'est un peu donc le titre de la conférence. On a tenté de donner quelques... On pourra en parler, hein, creuser un petit peu plus. Mais pour moi, c'est faut se lancer, en fait, tout simplement. Faut pas désespérer. Et en parallèle, augmenter sa communauté, c'est facile sur LinkedIn. Il y a juste à dire, si votre, par exemple, votre cible, c'est des managers, des cadres en RH ou autre, et que vous êtes dans la Mayenne, par exemple, vous pouvez filtrer dans les recherches. Je recherche toutes les personnes en RH de la Mayenne. Et comment? Donc, désolé. Alors, c'est dans l'outil recherche. Quand vous tapez, par exemple... Si vous tapez Nicolas Touet, je vais le faire en direct, c'est moi. Vous allez faire une recherche et après, il va vous proposer, juste en dessous la recherche, il va vous demander est-ce que vous cherchez un poste, une personne, une entreprise, etc.
Et un peu plus loin sur la droite, il y a écrit tous les filtres. Et là, vous pouvez rajouter des filtres pour affiner la recherche. Et ensuite, il va vous proposer une liste de personnes, par exemple, tous les directeurs RH, par exemple. Y compris dans le LinkedIn gratuit ou c'est celui qui est avec abonnement ? Moi, je n'ai jamais payé, moi, j'ai que le gratuit. D'accord. Et il va vous limiter, genre, vous ne pouvez pas vous connecter, je dis n'importe quoi, à 100 personnes par jour, je ne sais plus combien. Oui, oui, ça, je connais cette info. Ouais. Donc, je ne sais plus les chiffres, mais c'est en gros, il vous limite. Mais bon, dans votre activité, c'est plutôt raisonnable. C'est pour éviter aux robots, en fait, de polluer un peu tout ça. D'accord. Et ça vous permet de vous connecter, soit avec un petit texte. Bonjour, Intel, j'ai vu que vous faisiez ci et tout, super. Ou juste une connexion classique. Et puis après, parce que ça, on n'en a pas parlé, on a parlé profil, page, groupe, etc. Mais moi, un outil que j'utilise beaucoup, c'est la messagerie, en fait. C'est la messagerie que LinkedIn nous propose auprès de ma communauté. C'est-à-dire, si j'ai une information, quand j'ai monté mon entreprise, par exemple, on a participé à un concours. Et il fallait voter. Bon, ben, j'ai envoyé des messages à tout le monde. En copier-coller, hein. C'était extrêmement long, j'ai passé 2 jours, mais on a gagné, et haut la main, on avait dû avoir 500 votes et les deuxièmes ont dû avoir 200 votes. Donc, cette notion d'animer aussi la communauté, elle peut se passer par l'envoi de messages. Alors, c'est court, hein, pas trop commerciaux non plus, mais des fois, il faut être assez malin. Tiens, j'ai vu que vous faisiez ça dans votre entreprise, c'est super, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut en parler? Et puis après, vous dites, ben voilà, moi, ça m'intéresse parce que justement, je développe ça et je pense que je peux vous apporter des solutions. Voilà, créer la discussion. Et petit à petit, votre influence aussi, elle peut grandir grâce au message ou au message que vous pouvez envoyer. Ça peut être, tiens, j'ai vu que tu faisais ça, j'ai vu cet article-là, je pense qu'il peut t'intéresser. Vous voyez, ces échanges qu'on peut avoir et qui participe à votre influence. On a d'autres participants dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certaines personnes veulent intervenir ou préciser certaines choses? Ou témoigner aussi, hein? Bien là, j'ai essayé de faire la manip, justement, en allant sur votre profil, Nicolas. Ouais. Et ben, j'arrive pas. J'ai pas accès. Enfin, je suis pas une experte en la matière, en tout cas. Pour aller chercher, en fait. Alors, il faudrait que je fasse là. Je ne vais pas le faire avec mon prénom, je vais le faire plutôt avec une fonction. Oui, parce que je n'y arrive pas. J'essaye de le faire. La recherche ciblée, hein, c'est ça, Christelle? Oui, alors, en fait, vous allez plutôt aller dans. Nicolas, partage peut-être ton écran. Oui, je regarde juste si ma démo est. Ah, ça y est. En fait, c'est en m'en allant, en fait, là, je vois essayer de rechercher RRH. Peut-être ça, en fait. Alors, je suis en train de faire, mais avec voilà, l'écran Zoom qui apparaît. On propose autre chose. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors. J'espère que je ne vais pas être bloqué. Partager l'écran. Il me met un message d'erreur. Pas sûr que ça fonctionne. Ah oui, mais ce qui me semble, c'est que je suis sur Mac, donc j'ai beaucoup de paramètres de sécurité. Donc, il va falloir que je redémarre. Donc, je ne vais pas le faire. Mais en fait, je vais essayer de vous décrire un peu la démarche. Vous tapez, par exemple, chargé de communication en haut. Il va vous mettre des résultats et à droite, il va mettre filtrer uniquement par. Et ensuite, tout en bas, vous pouvez mettre plus de critères et affiner en fait. Vous pouvez mettre. Oh, j'ai du mal. J'ai cette fenêtre de Zoom qui me bloque mon écran. Et donc, vous pouvez filtrer. Par ajouter le nom d'une personne de l'entreprise. Par exemple, si vous cherchez tous les chargés de communication du groupe Bouygues, vous allez avoir tout ça. Ça peut être mention, section de l'auteur, mots-clés de l'auteur, les titres, etc. Et vous pouvez avoir des noms qui apparaissent. Et puis, voilà, tout simplement, vous likez, hein. Enfin, vous vous connectez et ça permet petit à petit d'augmenter
votre communauté, hein, ou des fois, si c'est un poste, je ne sais pas, d'un, je dis n'importe quoi, d'un chef d'entreprise très connu dans votre activité, il y a plein de gens qui vont liker. Bon, bah, vous pouvez aller voir qui a liké, vous voyez les noms, et vous pouvez vous connecter aussi avec ces gens-là. Après, on peut aussi utiliser tout ce qui s'appelle les booléens dans les recherches, c'est-à-dire, je vais vous partager mon écran. Si tu peux, plus... je veux bien, parce que ouais. Moi, je ne peux pas. Tac, 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 tac. Alors, on va aller ici. Que j'ai le bon... Hop, écran, tac, 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 tac. Vous voyez mon écran là ou pas? Oui. Là, je suis par exemple, quand je suis sur LinkedIn, quand on est là-haut, hein, ici, si on cherche par exemple, bon, je reprends l'exemple de Valérie, mais on est dans le bien-être, on peut très bien taper bien-être plus, on est sur Laval, on fait Laval, on fait entrée, et en fait, il va aller nous ressortir une liste de personnes qui ont dans leur mot-clé bien-être, Laval. Voilà. Après, on peut filtrer tout en haut ici. Ouais. Donc soit par personne, soit les postes, soit les emplois, soit les entreprises. Là, par exemple, si on peut par exemple aller sur poste, par exemple. Et là, il va nous filtrer voilà, tout ce qui est ce dont on parle avec bien-être Laval dedans. Donc, ce qui est plutôt, plutôt intéressant. Après, ça se demande d'être affiné, hein, bien évidemment, mais en utilisant tout simplement ce qu'on appelle les booléens, donc c'est les plus, les ou, les et, ce genre de choses. On peut réussir à avoir des choses. Hein. Si on, tout à l'heure, on parlait de Mayenne durable. Pareil, si on tape Laval plus durable, hop, on peut avoir des choses qui peuvent ressortir voilà, dans les postes. Bon, là, on a, c'est le cas, là. C'est tout, Pauline, exemple. Effectivement, qui fait voilà. Un sac à main avec des chambres à air de tracteurs. Voilà, par exemple. Et donc là, bah, pareil, on retrouve encore des choses. Donc là, à Nantes, à Bordeaux, alors après, pareil, encore une fois, il faut que ça s'affine. Mais on peut afficher différents voilà. Filtres ici. On peut rajouter donc, les différentes relations, les lieux, bien évidemment. Là, on parlait de Laval et du Québec dans, les, dans un exemple voilà. Tout à l'heure. Là, typiquement, on peut aller filtrer également des choses. Ou rajouter des lieux. Hein, ou rajouter des lieux, effectivement. Voilà, ça, c'est vraiment des choses qui sont plutôt intéressantes et qui peuvent être utilisées de tester, façon hein. Gratuite. Effectivement, plus. Il y a les relations. Ça peut être les relations de Loïc Simon. On va voir toutes ces relations. Puis, on peut rentrer en contact avec eux. Vous voyez, sur l'écran, il a écrit « Suivre ou se connecter ». Donc, vous connectez. C'est des fois, il faut… Enfin, moi, ce que je conseille souvent dans les réseaux sociaux, c'est de l'intégrer dans votre agenda, en fait. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, tous les lundis matins, vous consacrez une heure à ça pour pas non plus que ça soit trop chronophage et que c'est une obstination. Vous dites, tiens, pendant une demi-heure, je vais me connecter avec plein de gens. Et puis, la demi-heure restante, je vais programmer mes postes. Ça peut être, ouais. Moi, je sais qu'au départ de mon podcast Génération Éco que j'ai lancé donc, en septembre 2019, dans les mois qui ont suivi, j'ai fait ce travail-là où j'ai ciblé les personnes sur Angers qui sont dans la thématique justement éco-responsable. Et un par un, je les ai contactés en message privé pour leur donner le lien en fait du podcast. Je dis voilà, on a des valeurs en commun. Je viens de créer un podcast. Voici le lien si ça vous intéresse à écouter, voilà. Sans forcément demander toujours une mise en relation. Même si c'est toujours mieux de le faire en demandant une mise en relation parce que en mode gratuit, on peut pas forcément envoyer un mail à tout le monde de façon simple. Oui. Ça demande là pour le coup, si on veut juste envoyer un message privé, d'avoir au moins pendant un mois la version, parce que LinkedIn régulièrement propose gratuitement un mois la version premium, la prendre pendant un mois. Alors, il faut mettre la carte bleue, il faut juste bien penser à enlever à quelques jours avant voilà, le prélèvement. On nous reste 5 minutes. Hein. Ouais, c'est quand même très cher. Par contre, c'est puissant, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Et pendant ce mois où on a LinkedIn Premium, justement, faire ce travail-là et puis contacter directement les gens pour justement, on parlait de l'influence, des écosystèmes et des communautés, bah, construire petit à petit.
comme ça sa communauté, et ça se fait petit à petit. Hein. C'est vrai que c'est pas, voilà, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Oui. Et puis tout c'est le ça. Monde n'est pas connecté tout le temps, tous les jours sur LinkedIn. Enfin voilà. Ok, bah écoute, merci Yves. Je vous propose peut-être qu'on fasse un micro-résumé de ce qu'on s'est dit. Je pense qu'on a fait le tour. On pourra en parler des heures et des heures, je pense, hein, sur les expériences de chacun. Maëlle, si tu veux résumer en une phrase ce qu'il faut faire pour être influenceuse ou micro-influenceuse, quels conseils tu donnerais? Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, régularité, régularité, régularité. Effectivement. Merci. Yves, à ton tour. Bien, il faut travailler sa communauté et oser, encore une fois, je le disais encore tout à l'heure, mais il faut oser contacter les gens, en fait. On peut être surpris des fois que certaines personnes qu'on pensait inaccessibles nous répondent. C'est vrai que ça a l'avantage de squeezer, comme on dit, la secrétaire en LinkedIn. On n'est pas obligé de demander « passez-moi un tel », on arrive directement à la bonne personne. Écoutez, moi, pour résumer, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que oui, il faut tester, il faut oser, il faut rester sincère, il faut rester soi-même, il ne faut pas s'inventer un personnage que l'on n'est pas. Et puis, ben, petit à petit, ça va venir, mais... pas oublier que si j'ai 100 abonnés et que j'ai 50 likes, vous êtes un super influenceur. C'est ce ratio qui est important. C'est pas d'avoir 10 000 personnes qui est important, c'est d'avoir... c'est le taux d'engagement. C'est le taux d'engagement qui va vous donner un indicateur. Moi, je sais plus à combien je suis à 2005 ou 2006 abonnés, je sais pas comment on dit. Et l'autre fois, j'ai fait un post, j'ai eu 100 likes. Bon, c'est plutôt correct. Si on fait un ratio, ça fait un petit taux d'engagement, mais autour de 3-4%, c'est très très bien. C'est très très bien. Donc voilà. Régularité, régularité, originalité, et puis mesurer pour des fois se rassurer sur son activité. Une dernière question peut-être avant de clôturer ce slot. Non, pas pour moi. Merci. Bon, bah, c'est parfait. Écoutez, merci Yves, merci Maëlle pour votre temps. Merci à toutes et à tous pour avoir participé à cette réunion. C'est pas fini, il y en a encore d'autres. Voilà. Je vous dis donc peut-être à tout à l'heure. Merci à tous. À tout à l'heure.